Où est-ce que je me suis renouvelée encore une fois sur cet album qui s'appelle Feutre et Pastel? C'est dans la chanson L'Architecte. Non seulement au niveau du thème, c'est différent parce que c'est une description d'un jeune garçon qui... c'est rare parce que souvent je parle au jeu dans mes chansons. Je pense que ça, c'est ma marque de commerce. J'incarne le personnage et dans cette chanson-là, au contraire, je parle de « Il avait du talent en danse. » Il est devenu architecte. Il était doué pour les lettres et les langues. Il parlait à ses plantes. Il faisait des miracles en cuisine. Mélangeait des épices divines. Mais son père, le dimanche, occupé à boire son apéro, n'a jamais, semble-t-il, remarqué que son fils était beau. Et tout à coup, je me suis dit, oui, là, je sens que je tiens quelque chose. En deux lignes, souvent, on sait si la chanson va exister ou si elle n'existera pas. Et cette chanson-là, à partir de deux lignes, je savais qu'elle existerait. Et en plus, elle convenait à la mélodie que j'avais créée, qui était, pour la première fois de ma vie, je créais une valse. J'avais composé une valse que j'aimais beaucoup. Et le texte collait exactement à cette mélodie-là. Et je me suis dit, ah là, je tiens quelque chose de beau, de très touchant. Quand je l'ai chanté à ma sœur, elle avait les grosses larmes qui coulaient. Ben oui, c'est un peu triste quand même, parce qu'encore une fois, il est question de la relation entre un père et son fils. Donc, on a parlé, quand j'étais petit gars, de la mère et de son fils. À ce moment, et dans la chanson L'Architecte, c'est le père par rapport au fils. Et que, pour résumer, c'est qu'on cherche toujours l'approbation de ses parents, la fierté de ses parents. Et quand cette fierté-là ne nous est pas dite, ne nous est pas démontrée, on peut en souffrir toute notre vie. On fait des choix de vie qui peuvent être différents de ceux qu'on aurait fait si on avait senti que, ah oui, là, mon père est fier de moi si je fais ça. Donc, on est encouragé à ce moment-là. Alors, c'est une chanson, je pense, qui va toucher beaucoup de personnes, non pas seulement les garçons, mais aussi les filles qui se retrouvent dans cette situation-là, qui est une situation très, très répandue. Donc, la chanson devient universelle. C'est ce que j'aime écrire, moi, en tout cas, essayer de viser comme chanson. À jongler avec des compas et des règles, un crayon sur l'oreille, le veston, la cravate bien en place, en attendant son whisky sur glace, comme son père le dimanche quand sonnait l'heure de son apéro. Il avait du talent en danse. Il est devenu un peu raide, mais parfois encore il se lève et s'élance. Il y passe, succède, le voilà qui tournoie devant la glace. Il revoit le petit gars, le gymnaste, que son père le dimanche, semble-t-il, n'a jamais trouvé beau. Et son père, un dimanche, s'est enfui dans son dernier repos, sans jamais avoir vu, semble-t-il, que son fils était beau.